Ouais, bonjour famille, comment vous allez? Ouais, petite vidéo rapide ce matin pour réagir sur ce que j'ai vu sur le net hier nuit tardivement, parce que j'étais très occupé dans la journée. Franchement, c'est quelque chose qui m'a quand même déçu. Je sais même pas pourquoi quand les gens réussissent un peu, ils aiment vouloir se la péter. Dans cette vidéo, je vais m'adresser au grand frère Mola et au gros Bedel. Ce qu'on a vu là, c'était même pas pro. Que ce soit de gros bédel ou que ce soit du grand fémola. Vous aimez trop vous vanter quoi. C'est par respect sinon mon mola. C'est par respect sinon moi le gros bédel. Et puis nous on fait quoi avec ça? Déjà même que votre événement là, on vient pas. Il est parti vous ridiculiser comme ça. En plein, on va dire, pas en plein direct, mais j'aille devant les gens. C'était même pas en aparté. Soyez un peu humble, s'il vous plaît. Soyez un peu humble, s'il vous plaît. Parce qu'on a vu le moment, il n'y a rien compris en fait. Mais quelque part, si je dois donner raison à quelque chose, truc, à une partie dans cette histoire-là. Je pencherai un peu pour le gros Bédel. Parce que sincèrement, faut pas qu'on va se mentir. Le grand Mola a des manières qui sont vraiment frustrantes. Voilà, tu t'es accompli. Mais ne pense pas que d'autres ne s'accomplissent pas aussi dans le secret. Ils sont pas comme toi à exposer les biens, à spolier leur truc, leur argent sur les réseaux sociaux. Mais faut quand même faut leur donner du respect. Parce que tu les dois du respect. Le gros Bédel, c'est ton petit frère. C'est ton petit frère. Mais là, ça a été un manque de respect. Mais tu l'as poussé à te manquer de respect, le grand Moula. Faut trouver solution des 50 millions et des 100 millions de mes artistes-là. En tout cas, faut trouver solution pour que les gens qui peuvent mousser ton événement-là viennent. Pour pas te faire des discutes de coq au lancement d'un événement. Franchement, ça m'a vraiment déçu, puis c'est des choses qui n'honorent pas l'image de la musique ivoirienne. Vous parlez des DJ Arafat, des trucs des débordés ou autres, mais ce que vous avez fait là, c'est passé sur les réseaux sociaux et c'est vraiment pas intéressant. Soyez humble. Les biens, l'argent, ça finit. Tout est éphémère. Le plus important, c'est le respect et l'humilité. Voilà, c'était mon petit message par rapport à cette vidéo là. Partagez la chose de la vidéo si elle vous a plu et arrêtez ça. Vous êtes trop vieux pour faire ça.